Et bonjour à tous, c'est l'ami Phob à l'appareil, j'espère que vous allez bien. De mon côté ça va, merci de le demander. On se retrouve pour faire du Darktide en difficulté damnation pour changer un petit peu. Donc la dernière difficulté du jeu pour me répéter une fois de plus. On va se lancer quelques games avec Logreen. Juste à noter qu'il y a eu un gros patch entre guillemets d'équilibrage, plus de rajout de pénitence, donc les petits défis on va dire. Qu'il y a à faire dans le jeu, qui s'appelait les défis d'Okri sur Vermintide. Et là, ils sont en rapport en fait avec la manière dont on est censé, entre guillemets, jouer le personnage. Je dis bien censé. Salut, salut, Penmanoir, j'espère que tu vas bien en ce merveilleux dimanche. Donc, ouais, ils ont rajouté des nouvelles pénitences sur la manière dont on est censé jouer les personnages, sauf que je trouve que c'est un petit peu biaisé. Dans le sens où, typiquement, hop, sur celle-là, donc on doit charger avec le green 25 ennemis à la fois, 3 fois de, voilà, 3 fois en tout, et on se retrouve avec des ogrines qui chargent tout le temps et tout et n'importe quoi, donc c'est. Voilà, je trouve que les pénitences, c'est pas forcément bien amené. Je sais plus exactement, j'en ai plus en tête, mais voilà, il y a certaines pénitences où du coup les gens bah, ils veulent faire les pénitences et font n'importe quoi. Donc, ouais, c'est un long week-end, ça fait plaisir. Et moi, ça va, ouais, c'est gentil de demander, ça va très bien. En fin de vacances, je reprends mardi, donc encore un long week-end aussi avant de reprendre le taf. Donc, oui, voilà, ils ont rajouté plein de pénitences. Je vais, moi, me concentrer dessus tout simplement parce que ça apporte des cosmétiques et que j'aime bien les cosmétiques, même si c'est un FPS et que bah, soit on voit jamais son skin, hein. Donc ça a que moyennement d'intérêt, mais voilà, moi j'aime bien tout débloquer, je suis un peu complétionniste. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et d'ailleurs, ils ont mis des pénitences, alors ça c'est encore plus débile, je trouve. Typiquement, ils ont fait des pénitences qui sont uniquement faisables en partie privée. Donc je sais pas pourquoi ça va, moi j'avais quasiment tout fait sauf celle-là. Mais justement parce que certains joueurs se plaignaient que ça entachait les parties. Que certains joueurs faisaient leur pénitence en gros et faisaient pas la partie correctement, le teamplay, hein, comme tu le dis si bien, et du coup ils ont fait ça en partie privée, sauf que c'est débile quoi, c'est pas la bonne manière de faire les choses, c'est pas. Fallait juste changer la pénitence en soi. Typiquement en plus, pour celle-là que je galère à faire avec le Psyker, je dois tuer un boss quasiment tout seul, entre guillemets, et ça peut être fait qu'en partie privée. Sauf que les parties privées, pour rappel, c'est moi, un pote ou une pote et deux bots. Il n'y a pas de partie solo-solo. Et enfin, plus de deux en tout cas, entre deux et plus. Et bah, si t'as pas quatre potes, tu fais ça avec des bots. Et les bots, ils vont forcément tirer sur le boss, et donc tu pourras pas le faire tout seul. Enfin, ça n'a pas de sens, quoi. Et oui, typiquement une pénitence que moi j'ai proposée sur les forums Steam, hein, mais comme tous les posts que je fais depuis que je suis gamin, je sais pas pourquoi ça bide. Dès que je mets une phrase sur un forum, le post est fermé. Hein. Enfin, il est pas fermé, mais plus personne ne parle. C'est une bonne manière de lock. Mais ouais, moi j'ai proposé sur les forums de Steam de rajouter une pénitence ping 1 milliard d'ennemis. J'ai même mis un chiffre à la con volontairement. Comme ça, les gens ping 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 comme des malades alors qu'ils le font pas assez. Mais voilà, ils ont préféré rajouter des pénitences qui dicte comment on doit jouer le personnage entre guillemets. Donc charger des gens avec le green ou jeter des grenades sur les élites ou les spéciaux. Donc ça je vais essayer de le faire dans ma partie. Ça fait une longue intro, hein. Putain, je suis désolé. Je vais essayer de le faire dans ma partie. Donc je dois toucher 4 ennemis élites ou spécialistes sans rater une caisse. Et puis je dois faire ça 4 fois de suite. Donc voilà, je vais peut-être un peu me focus là-dessus. Et puis voilà, tout simplement, je voulais juste dire qu'ils avaient rajouté des pénitences, des nouveaux cosmétiques, du coup ça c'est cool parce qu'il n'y en a pas des masses mine de rien, et équilibrage des armes un petit peu, et rien d'autre de transcendant pour le moment, mais a priori, la prochaine fois on aura le droit à un très gros patch. Enfin bref, allez, on va se trouver une partie en 5. Bon, celle-là rapporte plus, même s'il y a moins de hordes, donc je vais partir sur celle-là. Toujours à la recherche d'argent, hein, vu que je suis dans l'optique d'acheter toutes les bénédictions niveau 1 et 2 chez ce marchand-là. Et que je dois pas être loin parce que il y a de moins en moins de trucs que j'ai besoin d'acheter en soi.
Qu'est-ce que j'ai? Non, j'ai. Ouais, je vais retester le Reaper. Je vais redonner une chance à cette arme-là. Et puis, c'est tout pour le green, en tout cas. Je redonne juste une chance au Reaper. Et je prépare, mais je voulais le faire en stream. Et puis, en fait, en stream, ça va pas rendre correctement. Je suis schizophrène, c'est normal, je dis bonjour tout seul. Je voulais le faire en stream, mais en stream ça va pas rendre super bien pour le stream, mais je pense que je vais préparer des vidéos tuto entre guillemets sur Darktide. Donc je les ferai en off en fait, tout simplement j'enregistrerai une vidéo et je vais faire je vais pas faire des tutos sur le craft, comment avoir la meilleure arme ou je sais quelle connerie, parce qu'il n'y a pas de meilleure arme en soi. Mais on va dire bonjour, mais je vais faire plutôt des vidéos de tuto sur les différents types d'ennemis, armure, pas d'armure, élite, spéciaux, tout ça, tout ça. Et je voudrais surtout faire une vidéo qui me tient à cœur, c'est comment combattre en fait, tout simplement dans Darktide et dans Vermintide, parce que c'est le même, plus ou moins, mécanisme, les mêmes mécaniques. Donc j'aimerais bien faire une vidéo tuto comment combattre tout simplement, et il y a un mode en plus qui permet de faire apparaître des mobs dans le Psychanarium, donc dans l'endroit où on s'entraîne. Et bah, je vais faire spawn des mobs et je vais dire bah voilà, ça sert à rien de mâcher le bouton comme un malade, de faire clic 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 clic, il y a des esquives à faire, il y a telle et telle chose à faire pour survivre, parce que bah, je trouve c'est bien beau de critiquer les gens qui savent pas jouer, mais si t'achètes le jeu et que tu lances une partie, bah y a rien qui est expliqué sur le fait qu'il faut passer son temps à esquiver typiquement. Ce n'est marqué nulle part. Et il y a vite fait un tuto, mais c'est pas fou. Et donc voilà, je pense faire plusieurs vidéos tutoriels comme ça. Une par classe pour expliquer ce que c'est les classes. Vidéo sur le combat, sur les mobs. Et puis voilà. Comment combattre, c'est ça. Allez, on se reprend. Elle était belle celle-là. Donc il m'en reste 3 paires sans rater. Ouais, il y a du saignement, hein. L'attaque chargée de Logreen avec le talent, ça fait du saignement. J'avais pas vu qu'il y avait un mec qui s'appelait John Darktide. Non, il y a des grimoires, j'ai pas fait gaffe. Pas très concentré pour le moment sur la game. Okay, donc s'il y a un mitrailleur, il y a sûrement plusieurs tireurs. C'est John Darktide qui joue avec le Magnum. On a déjà des chiens. Oh non. Ah putain, au moment j'allais le repousser. Je me suis fait faire vrai. Allez là les gars. Ah non, je me suis fait choper, putain. C'est mal géré. Chaque fois je vais le prendre dans la gueule. Ah c'est pas con dans la fosse là-bas. Pas con du tout. Ouais, c'est en partie de ma faute, hein. J'aurais pas dû aller tout seul en fait. Merde, baril. C'est en partie de ma faute.
one of the cables is on its last legs. Have no fear, Kindred. The God Emperor protects. Ah, j'ai que 19 balles. Ok. Thrash that gunner! All that knows heretic. Rangers down! C'est juste pour pas rater ma grenade, mais bon. Non, je peux pas l'atteindre. Si, je peux. On va se concentrer sur la horde. Je suis un ogrin, hein, je suis là pour faire la horde, pas pour... les tireurs. Faut qu'on se mette juste ici en soi. Ah, raté. Ok, ah, il y a encore un... Encore un Reaper. J'aurais bien retrouvé des grenades maintenant. C'est bien beau d'avoir tout balancé comme ça. Ah putain, mais là, t'es parti tout seul, mec. John Darktide et Richard Warhammer, là, je pense qu'ils sont ensemble. Ouais, je prends un sniper. Ah, j'ai raté le chien. Je me suis coincé dans un endroit là, con. On va reculer, ouais. Passe, ça passe. Ouf, je prends cher mais ça passe. C'est infernal quand on n'arrive pas à avancer comme ça. Tous pouvoir se soigner, c'est l'avantage. Ouais, pas de grenade toujours. Mutant fall.
Je veux des grenades, s'il vous plaît. Putain, c'est infernal. Je peux pas passer ici, moi. C'est très chiant de faire les sons en tant qu'au green, hein. Faut vraiment qu'ils corrigent ça. Non, ils veulent pas. Je préfère attirer le reste de la carte. Hein. Aïe. Non, attends. Oh non, putain, je suis passé à travers. Ça pue. Ah merde. Ouf. Ça pique. Putain. Alors on descend. C'est très brouillon. En fait, ma charge, je l'ai réussi à l'arrêter, mais je me suis coincé dans les mobs, donc c'était pas... pas super GG. C'est fou que j'ai réussi à gravir les escaliers. Il me semblait qu'ils étaient pas morts. Allez, des grenades, s'il vous plaît. Ça manque vraiment de grenades dans les cartes. Bah ouais, moi j'ai pingé une super pièce, honnêtement. J'ai pingé une pièce qui était très intéressante. Les chiens sont arrivés par la porte, mais... Non, j'avais pas vu le 4 plus 19, là. Je fais rien à l'ombre, c'est infernal. Ah, ils ont ce que des grenades. Pas vu qu'ils avaient lancé. On va passer en sneaky sneaky. Et les tireurs là-bas. Il est là. Mais oui, je veux un sniper comme ça, quoi. Mais c'est super long. À recharger ou quoi que ce soit.
pas de grenade, hein. Attention, là il y a plein de tireurs qui vont arriver. Voilà. Ah. Il repasse beaucoup trop vite à distance. Maintenant, c'est bien la peine de débloquer des super skins pour un jeu à poil. Oh, c'est sale. Vraiment, cette arme, je ne peux pas marcher entre les mains. Je lui ai donné sa chance, hein, mais... Trop de recul. Pas tant de dégâts que ça. Merde, j'ai pris les mines. Oh putain, les tirs là-bas. Putain, mais il a repris des grenades. Oh là là. Hop là. Y'a pas la caisse ici. Ah, il a bugué. C'est nul quoi. Pas friand de ce genre de strat. Je préfère se battre à la loyale. Je veux des grenades. Oh,
J'espère qu'ils viennent pas d'en bas. Là, je crois que c'est... Ah, c'est un échec. Toujours pas de grenade, il m'en reste deux à acheter en plus. Il faut que je fasse encore ça trois fois, c'est pas très casse-pied. Yes. Alors le pire c'est quand ça fait ça et que les gens tuent le mob juste avant et faut recommencer la série de 5. Pif qui me gratte. Pardon. Yes, ok, j'ai fait une série. C'est pour ça que c'est un truc à la con cette pénitence, parce que ça force en tout cas. Naturellement, le magrenage, j'aurais tenté de l'acheter sur le grid. Par exemple, mais vu qu'on veut absolument toucher les cibles et qu'on veut pas rater, bon, on les jette n'importe comment. Pas du tout envie de se grouper. Hein. Il y a un démon quelque part. Non, c'est pour moi ça. Il gère plutôt bien après. Ok, ok, bah je vais faire le tour. Hein. Grenade? Non. Il y a plein de tireurs ici. Oh putain, ils l'ont attiré, mais putain. Aïe.
bien, comme ça on perd le seul kit de soins qu'on a. Ça rien, il me semble bien que le... Je crois qu'il n'a pas pris le loot dernier où tu espérais la grenade. Ah merde. J'ai pas fait gaffe, hein. J'espère que je l'ai pas raté, putain. C'est sur ce final là en plus, je déteste ce final. Oh. Il sort de là-bas. Ils vont activer la mission alors que... les chiens. Ah ouais, c'est ça. Ah, il vient de capter un truc très con. Ok, on dirait que ça a annulé l'événement des chiens en tout cas, c'est cool. Ouais, mais clairement en plus c'est exactement ça. Hein. Ils se font chier. Enfin, le but c'est quand même de réussir la mission. Je fais pas assez de dégâts en plus cette arme. Accrocheur, attention! Ah, j'ai eu une pénitence à l'oie de tuer deux ennemis en un seul coup. Merde, ça c'est nul. Ah, désolé, je me suis un peu foutu devant.
Oh, wow. Non. Je tape pas. Yes. Sniper. Je sais pas où il était. Il était là. J'aime bien le magnum quoi, ça fait plouc et l'ennemi meurt. Faut que le bruit est vraiment pas assez fort. Donc là c'est le mode hein, qui ajoute une aura autour du kit de soins. Pas du tout le jeu qui a été patché, hein, les développeurs. On ne sera jamais à faire une telle chose. On va peut-être nettoyer ça avant les gars. Oh waouh, ça c'est de l'animation de l'espace une fois de plus. Wow. Ah. Ok, une fois de plus l'animation qui est beaucoup trop stylée. En fait, si je maintiens le clic, bon, il n'y a pas beaucoup de munitions, mais si je maintiens le clic, c'est limite plus précis. Ok, donc j'ai eu plein de pénitences parce que j'avais pas fait de game en O-Green, en damnation. Ah, je suis deuxième, j'aurais pas cru, je pensais que. Qu'il serait bien plus au-dessus de moi vu que. Pas des classes molassonnes comme celle que je jouais. Ah la blague. 467, je pense pas qu'il soit super bien. Bon, en tout cas, une game qui s'est quand même plutôt bien passée. Ouais, merci Penmanoir pour le GG. La game s'est plutôt bien passée. Désolé, la vidéo va être très longue parce que j'ai fait une longue introduction sur les pénitences et sur pourquoi j'allais mal jouer. Donc je suis désolé pour ça. Quand même checker le loot. C'est de la merde hein. Je vais juste récupérer ça du coup. C'est de la merde, pardon. Le mec qui est violent. Je n'aime pas. Tac tac tac. Je vais juste checker. Parce que je suis complétionniste, n'est-ce pas? Ce que je viens d'obtenir, donc ça doit être tuer voilà, deux ennemis en une seule attaque, 250 fois. Et le truc de la grenade, faut que je le fasse encore 3 fois, 5 touchés d'affilée, et vu la quantité de grenades qu'il y a par mission, c'est juste infernal. Ça, ça va être drôle à faire, hein, sans allié à terre. Sans qu'un allié ne meure. Je n'aime pas parce que c'est de la merde, ouais, c'est ça. Et ça je comprends pas, parce que du coup le compteur il est sur 25. Mettez à terre 25 ennemis à distance, putain j'avais pas fait gaffe. Ok d'accord. Puis ça, ça se fera naturellement au fur et à mesure de la partie. Très bien. Ok, et bien comme d'habitude je fais ma petite pause ici et puis on se retrouve tout de suite après pour de nouvelles aventures. Allez à toutes.